Tu vas faire des fakes. Oh, ça joue très très agressif du côté de la défense de Alliance ici qui va jouer. Le premier kill peut-être récupéré, on n'arrivera pas à en faire un deuxième. C'est du 2 pour 2 déjà. Et les échanges de avec doublé de Kada en sur effet. Un petit chargeur de Fredzy. Il y a quelqu'un qui leur derrière, c'est un qui a réussi à en mettre un et ça va encore avancer des deux côtés. Oh là là, Kada qui met un triple kill maintenant. Grosse grosse entrée en matière pour lui. Kada qui va enchaîner le quadra kill sur Zeke ici. Oh, lui, c'est lui le dernier. Dans le petit coin. Ouais, dans le petit corner, ouais. C'est pas une pause qu'on fait tout le temps, évidemment, mais là, en situation de V1, il faudrait absolument que ce sentiment qui pique pour lui. Kada, le timing ici avec la smoke. Ah, Kada qui était sorti en premier, c'est Eider. Attention, le stuff ici, il va décaler. Et c'est l'ace sur le troisième round, c'est. Wow, c'est très courant sur le troisième round. Et ça contre un gros ultimate déjà, vu que Kada venait d'ulti, on voit les flashs qui passent. Oh, c'est dommage. Oh, il est très important ce double kill parce qu'il drop un opérateur plus une arme et ça renverse complètement le round. Ils ont l'opérateur. Ok, bien joué de la part de Feroz qui prend quand même un kill sur Sender qui rééquilibre la balance ici. 3 contre 3 désormais, le site bombe A est complètement pris. On va tenter de travers pour Fimi, on va attendre que les teammates reviennent. Oh, attention, ce bonus round, s'il va pour Vitality, ça peut sentir le 4-0. Après, on le rappelle évidemment qu'une game de Valorant commence que à partir de 4-0. On envoie le petit loup. Oui, du calme. Du et calme, on du calme. On va essayer de prendre de l'information au niveau de Kitchen. Shadow qui prend un kill sur Hive, situation encore à l'avantage de Vitality qui défend désormais et qui réussit à prendre un kill en plus. 1v3 pour Sider. Oh, oh, c'était bien. Il n'a pas sound maintenant. Et du coup il arrive derrière. Okay, ouais, il attend de prendre les infos. Non, il prend les infos, c'est normal. Oh, c'est exceptionnel. Et d'abord il tue derrière et ensuite il va se décaler à droite. Il n'y a pas eu de. Non, l'info n'a pas été donnée. L'info n'a pas été donnée. Alors, peut-être. Oh, heureusement il est assez peu de stats sur fracture. On peut pas dire que c'est une map que attaque ou que défense. Oh bah pour tiens. L'instant. Cette fois-ci c'est le duel de Cypher est remporté voilà. Par le Cypher bleu. T'es cher ici, ils sont dans la smoke pour l'instant et voilà Firoz qui réussit à prendre son timing à. Si ça bouge, c'est ce qui se passe avec le wall, on va pouvoir contrer un petit peu, mais le wall ça va pas prendre le revenge sur la Sage. Vac qui a quand même réussi à éliminer Zeke en avançant. Plus que 30 secondes. Et maintenant il ne reste plus que deux joueurs côté Vitality, c'est Braves qui a été éliminé, il ne reste plus que Shadow qui fait le kill sur Hype. Est-ce que Shadow est capable? Ouais, ça va être difficile en vrai, il en reste 3, 21 secondes seulement. Il possède le spike depuis tout à l'heure, mais il est bloqué et sur son BP. Oh, ça aurait pu mal finir. Ça aurait pu. Est-ce qu'il va envoyer une cache quand même ou est-ce qu'il va décaler tout de suite? Il y a quand même une cam. Ouais, pour détruire la cam. Oh, attention, l'ultimate qui est envoyé, ça va jouer très très vite. Oh, il est quand même. C'est Hype qui prend le premier kill avec le Judge, qui va décaler sur sa flash. Ça rentre sur Sender qui va réussir à faire le kill, c'est bien fait. Hype qui va essayer de tenir avec le Judge, ça va être compliqué. Beaucoup de stuff en effet qui est parti. On a le reveal qui est calé dans l'ultimate de Sky également et qui prend un kill. Shadow qui en prend également. Firoz qui en prend de plus. L'ultimate qui va les faire par mission 2. Il faut qu'il se fasse rush, mais Shadow qui va plutôt en profiter pour enclencher le spike. Il l'enclenche pas Sender. Encore. Oh, il en a putain, il y a eu un très bon turn. Oh. Un pour un. C'est quasiment sûr qu'il est ici. Il a planté. Oh, c'est charnière. Il a planté un endroit assez vite. Oh, oh là là. Le kill qui est fait pour Shadow quand même. Compliqué de contester alors qu'elle était toute seule. Oh, attention, Sender. Sender, il s'est vu un petit peu trop beau. Avec cette petite one way. Des familles qui fait plaisir. Oh le cœur qui joue contact dans la smoke. Et il attend le dash de Jet. Il va s'envoler. Est-ce qu'il s'envole au-dessus du haut? Pas de dash de Jet, c'est derrière le haut, c'est pas mal. Il est extrêmement bien passé. Il est collé, faut pas grid en avançant. Oh, il est tellement grid, il aurait été pas obligé d'y aller. Attention, Braves qui a utilisé son ultimate qui a été envoyé de la part de Sick. Je crois que ça a été cancel ici. Sader qui prend un kill très important. Du coup, l'ultimate qui va retomber. Il ne reste que 14 secondes. Les Vitality qui peuvent avancer le spike. Ils ont l'avantage. Il faut planter sur la hauteur, mais ça va être compliqué de le faire. Kada qui tient la ligne. Kada qui prend le kill sur Sader. Et maintenant, il ne reste que le capitaine qui est stun. Et qui a un point de vie. Les Vitality qui remporte ce round. L'idée, on veut vraiment. C'est dommage. On sait. Mais au niveau de la Sky, on n'arrive pas à trouver les joueurs sur le pont. On détruit cette caméra maintenant et les joueurs sont pas mal. Ça va être pas mal. Ici, elle arrive. La Sky qui arrive dans le dos. Est-ce qu'elle peut faire la différence maintenant? Elle en fait deux. Et ça fera du 2 pour 2. 2v2, ultimate de la part de Sky. Allez, il faut le mettre celui-là. Alliance, c'est très important. Oh, contrôle du spike. Ils ont le spike, ça va pas pouvoir planter. Ça, c'est il va falloir chercher des kills maintenant. Un pour un. Il faut pas y aller, il faut pas jouer pour Fi. 4 secondes. Il faut jamais jouer. Il le sait. Du coup, l'autre il va passer. Il a le temps. Il a le temps, évidemment. Il a le temps. Oh, ça dégoûte. C'est bon, il le sait. Incroyable. Et maintenant, viens. Chut. Régis, mets-nous la canne des joueurs. Il a le temps. Oh, oh. Autoritaire vague, il est. Pari de le cœur. Le pari de le cœur est très bon. La brochette. Ouais, PK. Ah, ouais, mais il y a l'autre de l'autre côté qui a son ultimate. Ouais. J'allais dire, est-ce qu'il a fait d'autres dégâts, mais même pas. Franchement, il méritait une collapse. Oh, bien joué, le positionnement de Zeke très malin. Par contre, il joue en dessous de la smoke ici, qui va pouvoir faire un double. Oh, c'est très bien cover. Oh, c'est bien fait avec le crossfire et Sider qui est là. Et c'est en effet compliqué. Si Sider met ce round, ouais, c'est voilà. Fini. Mais là, Sider, non, mais là, c'est il bon. A compris là. Là, c'est formidable. Là, il faut le mettre. Absolument. C'est un round, c'est important. Fou. On arriverait sur 10-2. Ça serait fou. Maintenant, on a l'info. Sender. Maintenant, on a l'info, il faut le gérer. Attention, ne piquez pas un par un. Les gars, oh la patate qui l'empêche. Il décide d'avancer quand même. Il traverse. Il n'a pas le choix. Il faut faire le kill maintenant sur l'auteur, s'il le fait c'est incroyable. Est-ce qu'il sait qu'il est passé? Il a vu le bout de tête. Oh, il est dans la merde. Oh, c'est la merde. C'est compliqué. Il va falloir gérer de tous les côtés.
Il y en a un en haut, un en face, un à gauche. Ah, c'est fini. Faut essayer de prendre le kill un par un. C'est compliqué là. Ça se passe. Plus qu'un. Sender encore. Deux. Oh non, ils le font. Poursuivre. Il faut le tuer. Il faut le tuer. Il faut le tuer absolument. Évidemment, il y a trois joueurs qui sont là. Il en fera. Il en fera pas deux, mais ça passe. Ça passe. C'est déjà bien. C'est déjà bien d'en faire un. Oui, et puis surtout, il a gagné tellement de temps, les vitesses. C'est simplement retake inversé sur ce lobby avec le tube. Oh, le cœur est bien. Allez, le premier kill. Le cœur fait le deuxième. Le dash out pour escape. Les alliances sont très bien, c'est un 4v2. 4v2 avec cette situation dans le tube et ils ont planté pour le tube. En plus, c'est smoké. Non, ils sont très bien. Ils sont très très bien, les alliances. Ouais, ils vont chase les kills, ils vont chase pour l'argent évidemment et ils vont réussir à en faire. Oh, c'est fait pour le triplé tout de même. Bon, essayer de la choper. Il a pas le dash. Hop là. Ah, normal, elle avait plus son dash. C'est avec directement une flash pour essayer de prendre de l'info, la version, la fracture. Très bon stun sur cette tower. La bridge, et ça a un flash en main. Non, c'est terrible. Cette flash en main, il s'attendait pas à ce qu'elle soit déjà là. Elle avait pris la flash volontairement, à moitié flashée. Elle a réussi à faire le doublé. Brams qui fera le kill sur Zeke. Mais Zeke aura eu le temps de faire le kill sur Shadow. On est en situation de 1v4. Et il faut aller planter. Mais là, tu peux oublier, mon gars. Là, c'est compliqué. Là, on veut juste récupérer quelques exits, essayer de prendre un petit kill ou deux. Mais quoi qu'il arrive, l'éviter. Par contre, il réussit. Il va se faire récupérer par Il le rate. C'est dommage de rater ça pour le cœur. Et en plus de ça, c'est elle qui tombe. Et il va pouvoir redescendre tranquille. Ça fait mal parce que malgré le choc de l'opérateur, elle est restée. Kada qui élimine le cœur directement. Ça, c'est. Il n'ose pas traverser, on a entendu une communication ici, Sender qui prend un kill très important, Brams qui est en train de jouer avec son propre wall et qui se cache de part et d'autre, il va faire un kill maintenant, le spike qui est tombé, il ne reste plus que Sender qui se fait stun. Ouais, surtout très seul. Et on a posé. Très belle opération de la part de Alliance. Oh, Sender qui a pris l'information qu'il y avait un joueur qui arrivait, mais est-ce qu'il y en a deux, ça il ne le sait pas, ça va être difficile. Oh, on décale, Brams qui remporte, on décale tout seul. Alors, joué Brams. Sender voulait décaler avec lui ici. Un kill très important de la part de Kada, également de la part de Locker, le cœur qui décide. Oh, Kada le travers, situation de 2v2 avec l'information qui est prise. Allez monsieur le capitaine. On sait qu'ils ont tous les deux sur le PR. Capitaine, Zeke qui se fait récupérer sur le côté. Oh, Zeke en V1. Situation d'un V1, monsieur le capitaine. Brams, il faut réagir. Brams, il le sait. Brams, il connaît la position, le timing. Le timing, il est dingue. Le timing est fou. Oh, le timing de Poufurier, ils sont pas croisés maintenant. Il est récupéré par Zeke. Et l'équipe d'Alliance qui reste en vie. La petite droite, ouais, mesdames et messieurs, qui va peut-être empêcher d'avancer sur le site, mais non, c'était sans compter sur le dashil du joueur Alliance. Oh, le cœur, il le voit pas, il a pas le dashil. Il a avancé. Oh, il a réussi à avancer en clic gauche en plus. C'est bien, tranquille. Très serein. Kada qui prend la porte ici. Ils ont investi le site, l'ulti de Viper. Alors attention à pas se faire contre-brain par l'ulti de Viper quand même. Oh, le cœur il est bien placé hein, ici, il est un peu bouché en vérité. Ça devient un peu tard. Bah, quoi que hein. Ouais, non, c'est clairement les exits. Kill qui tombe et on va. Ils y vont tous. Oh oui, Shadow. Oui, c'est magnifique. Et ils meurent tous. Oh, il prend le kill avant pour l'argent. Non mais c'est marrant parce que tu vois, il a voulu mettre le slow en disant bah je les enferme entre la bombe et mon slow, comme ça après je vais les chercher. Et ça a pas marché. Ça a pas marché. Ils étaient pixel près. Pixel près. D'ailleurs si vous ne saviez pas, dans Valorant, vous savez, vous avez un petit rond sur la mini carte quand vous marchez qui correspond à vos bruits de pas. Bien sûr. Et ça correspond aussi à la largeur du site. On va jouer tous en A et on prend l'info sur B et si jamais Cypher tu restes en vie. Oh ya ya ya, Hype qui était le seul joueur rando qui va se faire récupérer. Ça va être un massacre. Il y a beaucoup de joueurs qui sont low HP. Ouais, très peu d'HP. Il y a un ultimate de bridge, on essaie de heal sur le point un petit peu. Ouais, la bridge va enclencher et ensuite ça va rentrer tout de go. En plus on a même un petit reste de sage qui pourrait pop au milieu. Exactement. Et voilà ça y est. Et là on va rentrer, c'est parti, déjà un mort, deux morts. Vitality qui a fait un excellent retake pour l'instant, on sait où sont les autres joueurs. 5v2. Oh, il arrive dans le joueur. C'est fait. Vite. Il reste pas de soucis au niveau du spawn des défenseurs. Et ça y est, on va repartir. Par contre, Sider, il est venu récupérer la vie de Brams. Et c'est bien mené. Peut-être l'électroflèche ici pour temporiser davantage. Mais on a Vac de l'autre côté qui est venu chercher cet attrape. Encore une fois, les setups reprises qui sont proposés par Vitality. Heureusement, la petite agression de Sender qui va donner un petit peu de liberté aux alliances. En tout cas, ils vont pouvoir souffler quelques instants. Mais c'est en train de revenir et là ils sont complètement coincés. Esselés sur ce site pour les trois derniers joueurs Alliance. Ils risquent de se faire courir dessus. C'est Vac qui passe en premier avec sa jet justement pour essayer de prendre un maximum d'espace sur le couloir. La flash risque d'être dévastatrice ici pour pouvoir revenir. Et on a trouvé toutes les informations tout de même de ce côté-là. On enchaîne du côté des joueurs Alliance. On n'arrive pas à faire la différence. Si, ce sera pour Zeke finalement. Et on va poser ce spike et pour empêcher la reprise, en plus, on a le contrôle de ce Garden A.
Ouais, ils sont vraiment bien en place ici les alliances pour contrer une reprise potentielle de Vitality. Il va falloir jouer sur le surnombre ici. On rate la première balle pour le cœur. Hype qui va courir à son secours pour le libérer et venir sécuriser quelques éliminations. Alors, ça répond quand même du côté de Firoz. Kadak a trouvé deux éliminations. Ok, pourquoi pas. Deux contre deux maintenant. Est-ce que l'accident peut avoir lieu? Vak qui passe par-dessus Zik qui est resté dissimulé juste au fond. On prend son information. Firoz aussi de son côté à y aller. Ça va passer. Boutigny ici sur ce principal B, mais on voit. Il y a du monde ici à la sortie du market. Oh, Zik prend une première élimination sur Vak. On va récupérer l'arme de son coéquipier. On va enfermer la door. Et Zik continue son œuvre. Le cœur va s'infiltrer. Est-ce qu'il va être escompté? Oh, il ne regarde pas sur le côté droit. Zik, il a vu personne et il trouve double kill. On n'a qu'à faire comme ça à travers les smokes. Let's go. Encore une fois, situation de repris. Vitality et voilà. Pas de kill, pas d'information. On part en retrait, sauvegarder ses armes pour les Vitality. On va venir gêner, peut-être empêcher de sauvegarder quoi que ce soit du côté des joueurs Alliance. Ici, un timing intéressant, on veut faire tomber des armes. Oh, la réussite ici. On va voir la réussite des Vitality quand même en faisant tomber des armes. Le round n'est plus possible de leur côté. Mais ils arrivent quand même à être efficaces sur l'économie. Ils sont sur la vente, prêts à accueillir toute cette équipe. Capitaine Bramso, mon capitaine ici va tomber face à Lecoeur. Ah ouais, la réussite du côté de Lecoeur. On va venir soutenir ici du côté de Sender pour venger. Il trouve un doublé, on ne sait trop dans quelle position. Et ça libère d'ores et déjà beaucoup d'espace sur le A. L'accélération est prise. Le Spike est seul. Le Spike est seul sur la short. C'est la bonne opportunité ici pour Vitality d'aller se repositionner autour de celui-ci. Évidemment, on va pouvoir le récupérer tout de même. Pour Hype, c'était in extremis. Permettre de l'amorcer ici, mon savoir en fermant la porte. Rush, on lui court dessus. Et Kada qui va valider ce round. Enfin un bon point pour bien chercher quelques tirs. Oh, attention, c'est de dissuader son adversaire, mais il va être couché par Lecoeur sur ce assuré. Ah mais c'est complètement lu là de la part de Vitality. On a complètement renforcé ce A et Brams vient récupérer ce caillot. Peut-être va-t-on pouvoir le réactiver, mais non, même pas, parce que il avait terminé son ulti tout simplement. Ici, on met la patate du bridge, on empêche complètement les alliances de passer. Et bon, on est en train de venir Alliance quand même qui récupère un kill sur Sender avec Fi. Mais derrière il reste 10 secondes. On va pouvoir poser ce spike. Bon, ça va le toucher ici. Lecoeur qui va être repéré, il va se faire toucher, mais ça permet tout de même de prendre l'attention et de ne pas empêcher l'amorçage du spike par son coéquipier, le superbe outil d'Astra avec Firoz qui va sortir dans le bon timing dans le dos et récupérer ce kill important pour la suite. Difficile de sortir pour les Vitality, on sait qu'ils sont exactement derrière, pas suffisamment pour éliminer ici Sider. Brams qui va tenter d'aller chercher, mais voilà, le sorti est arrivé ici pour les alliances avant d'avoir la Ritech. La division cosmique pourrait être très intéressante pour boucher cette longue, à voir si on va décider de l'utiliser. On est en train de se repositionner d'ailleurs hein, pour cette Astra de Brams depuis le middle. Il a peur d'une coupe et n'est pas là pour l'instant. Ses coéquipiers sont déjà en train de faire l'activité pour la reprise. Quelques informations. On décide de couper le monde en deux justement pour bloquer cette longue. L'ulti ne fera pas de kill pour le moment mais fera quand même de gros dégâts. C'est Hype qui va en profiter, mais Sender est déjà en train de revenir depuis cette short, cette porte. On avance petit à petit pour revenir en prendre en nombre sur ce site. Et là directement de l'autre côté, c'est difficile de pouvoir agir du côté des alliances. Le round est quasiment déjà terminé. On va essayer peut-être de sortir au dernier moment. Non, on laissera filer le round. Attention de ne pas perdre d'armes supplémentaires. Oh, attention, Vak ici, il va sortir et il va se tirer en place. On a décidé de renforcer ce P avec 3 personnes, mais Vak. Information si jamais ici pour Sender. Parfait, c'est bien dézoné. On détourne, on voit quelques travers tout de même. La réussite est totale. La vengeance arrive en face, Sender. Il est trop fort dans la smoke ou en dehors. Il réussit parfaitement son positionnement. On démarre bien, mais la vengeance de Firoz arrive enfin. L'homme fort de ces alliances pour le début de cette partie pour le moment est bien en place. Malheureusement, il est complètement seul. Maintenant, il va être pris dans la ligne de fracture et on risque de lui courir dessus avec un opérateur. Impossible d'enchaîner l'élimination comme il se doit. Et le qui sur la map. On envoie quelques stuff pour ce P ici. Voilà, Vak qui l'intercepte et qui en plus de ça, en reculant, propose un bait pour Sender qui a repris sa position. Sider ne pourra pas s'infiltrer plus loin. Il a été repéré. Brams qui prend de l'espace au niveau du B. Ce n'est pas du tout attendu. Mais Lecoeur qui prend le kill quand même. Oh, la superbe élimination ici. Le sniper sera vengé à son tour. Ça n'arrête pas. Mais la supériorité numérique est du côté des Vitality. Les Alliances sont en difficulté maintenant. Ils n'ont pas vraiment pris de beaucoup de zones et pourraient se retrouver encore plus en difficulté face à un Vak solide à l'opérateur. Mais non, c'est Sender qu'en profite. Sender, il fait le travail, il fait le café ici, il fait du Nespresso les potes. Alors que Sider, il est en place pour une infiltration. Malheureusement, on est que deux, ça risque d'être compliqué. Par contre, Shadow ne va pas s'attendre à voir quelqu'un ici. De voir, on a cet Astra qui va checker la ligne. On va le voir, Sider qui prend la première élimination, mais tout de suite, la revanche est faite par Sender. C'est une situation de 2 contre 1 et on décide d'utiliser le drone pour prendre l'information. Ouais, attention au timing du drone là, parce qu'il aura pas trop d'infos. La Firoz qui fait le bon choix en prenant de la hauteur. Il aura pas l'information directement sur le joueur qui a posé la caméra, justement, Sender, qui essaye de prendre cette info. On va sauter sur les lignes. Firoz esselé sur
le fond du site doit jouer intelligemment, essayer d'obtenir deux fois un V1. Mais pour l'instant on joue bien côté Vitality, on décide d'y aller ensemble ligne par ligne et forcément démesuré, on laisse passer sur le site, on s'organise pour la mid-tech, notamment avec l'outil voilà qui est envoyé par Shadow. On va avoir les premières lignes directement qui vont être prises. Brahms qui va venir complètement découper la tête de Lucker. Il y a encore un joueur qui est sur le site il me semble. Oui c'était Sider éliminé, les informations sont prises, là ça va désamorcer jusqu'au bout. Hein. Quelques pré-shots peut-être pour Pyro. Oh il s'arrête pas Pyro. Il continue même jusqu'au bout. Oh Shadow quand même pendant ce temps là il a pu désamorcer. Sortir la petite pop flash qui est partie, mais ça permet surtout de s'extraire. Electro flash ici bien senti de la part de Fi. Voir ce qui se passe et notamment cette localisation de vague qui va permettre d'avoir une rotation supplémentaire. Encore une fois Pyro. Oh là là, l'archer des joueurs Alliance est en train de briller sur cette map. Oh, l'infiltration. Et il continue dès le pistol. La bonne infiltration, tu le disais justement de la part de Brahms pour prendre de l'espace. Et ils ont le spike avec eux. Attends, le timing, parce que là, on a la Jet qui check quand même, et Lucker va prendre l'élimination sur Brahms. Attention, il va être rush ici par Sender. Sender va être couché parce que Hype est revenu checker à cet endroit précis. Forcément, avec cette première élimination, Shadow prend une première élimination, une deuxième. Shadow avec le Frenzy ici, peut-être non. On parle pas d'autres FPS, mais on parle de celui de Valorant ici. Mais la Zik, bon travail ici sur Brahms, qui empêche cette infiltration de la Astra. Par contre, la décale de Vak ici, ça récupère une élimination féroce ici pour la revanche. Attention, on essaie de limiter cette entrée dans ce Garden A. On a pris l'information avec la fleur de reconnaissance pour empêcher d'être suivi, avoir du répondant. Mais derrière, c'est un plan de sauvetage pour ces Vitality. On fonce vers ce site B, mais le Stuff Killjoy déjà activé inflige quelques dégâts supplémentaires à Sender. Et Sender ici vient s'accompagner. Vient accompagner le mouvement et récupère du monde. Oh par contre on s'attend pas à ce qu'il y ait le Sender fou qui récupère une nouvelle élimination. Il reste deux joueurs de ces alliances. Oh, attention à la Sender Deep sur ce round, il a pris tellement d'espace, il trouve les kills primordiaux. Il faut absolument que les joueurs Alliance arrivent à se reprendre. Le cœur et Zik pour la reprise ici. Zik heureusement avec l'aspect arrive à se sécuriser sur sa place. Shadow en train de revenir. Ils vont pas lâcher, ils vont garder jusqu'au bout. C'est pas planté pour les joueurs Vitality, ça va aller. Non, il prend le kill Shadow. Incroyable. Oh là 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 là. Information. Personne ne se présente pour l'instant. Le cœur check au niveau de ce mid, mais Sender ne se présente pas. L'ulti est envoyé. On annonce les choses sur ce site tout de suite. Zik répondra bien. Il a esquivé hein, de quelques centimètres. Zik veut aller chercher encore un peu plus loin le stuff de son Astra qui va bien l'aider justement. Une nouvelle élimination pour lui. Hype ira aussi de son côté de l'autre extrémité en B sur le lurker. Et ça s'enchaîne pour la défense. Kadavra doit maintenant changer les choses. Mais Zik encore une fois sur son angle. Il y a deux joueurs qui ont essayé de transiter le droit à la passe qui va donner l'information sur le cas. Par contre, Firos, la parfaite décale pour punir Kada. C'est parfait ici. Oh, le capitaine des Alliances, qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Il vient de limiter les Vitality dans la suite du round. 5 contre 4, on va essayer d'arriver sur ce A. Il y a du monde à la réception, derrière cette nébuleuse, il y a du monde. Et on va venir, tout de suite on s'avance avec Kada. Mais attention, Sender qui récupère Sider, le cœur qui va faire la revanche. Et ça n'est pas encore terminé, mais c'est une situation de reprise pour cette équipe d'Alliance. Les prises d'informations sur les positionnements adverses, justement pour éviter les joueurs qui reprennent l'endroit assez rapidement. Va qui veut aller jouer jusqu'au bout et qui fera seulement, j'ai envie de dire, une élimination. Ça ne mettra pas Vitality dans d'excellentes conditions. Ça permet quand même de réduire les forces des joueurs Alliance. On ne pourra plus utiliser maintenant de compétences. Ils reprennent beaucoup d'espace sur la hauteur. Il semble que la vitre est cassée. Du coup, on peut s'infiltrer ici pour Shadow. Shadow. On voit le cœur qui est très avancé ici. La peur du chasseur qui est envoyée par Pyros. On a eu la formation. Et on récupère déjà deux éliminations pour les Alliance. Oh là là, ça s'enchaîne très vite, hein. Personne n'arrive vraiment à prendre le dessus instantanément. Le middle, léger, pour venir aider le duo présent sur cette zone. Brahms, sur la réception, on se fera exploser, il reste plus que Shadow. Il faut qu'il réitère un exploit, il est pris en sandwich, il se fera dévorer. Nouveau point pour les Alliances, ça défend. Il prend pas tout le site, donc on peut quand même passer dessus pour les Vitality. Il va aller se donner à fond pour pouvoir venir les enfermer. On joue avec le timer, il a été détruit assez rapidement. Zik tient tête tout de même sur ce site. Aimi n'aura servi finalement à rien. Sender peut-être pour être totalement efficace dans la smoke. Mais oui, ça s'enchaîne pour Vitality. Le spike est amorcé dans le bon timing. Ce sera du 2 contre 3 pour la reprise des Alliances. Allez, le cœur ici qui s'avance va être tout de suite couché par Brahms. Il ne reste plus que Sider. Sider va essayer avec ses étoiles activer le puits de gravité, essayer de surprendre cette défense des Vitality à 3 joueurs. On regarde sur le côté gauche, on ne se doute pas que cette équipe d'Alliance, eh bien, s'est infiltrée déjà. Sider qui prend une première élimination sur Kada, mais il n'a pas l'information sur les deux autres. Par contre, il ne voit pas grand monde sur ce site. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça ici? Peut-être au niveau du bunker? Non, on va venir le surprendre. On voit la petite tête qui dépasse et Brahms va venir perdre la question. On repart sur un speed B.
plus que 30 secondes. Parfaite information ici, il faudra être solide sur la réception. On envoie immédiatement l'ulti de la part de Sova. Ils sont bloqués à 20 secondes de la part de Vitality. Ils n'arrivent pas à avancer, à prendre de l'espace. La défense va être en place. Heureusement, le split peut-être de Brahms pourrait être salvateur pour arriver au niveau du market. Mais on n'a pas réussi à checker comme une seule Zik. On fait beaucoup de dégâts. C'est le cœur maintenant qui en profite. Il reste 10 secondes pour récupérer le spike, venir sur le site, l'amorcer. Terminé pour Vita sur ce round, on ne pourra rien faire. Et on va aller chercher le round peut-être du côté des Alliances. Oh, il peut trouver, il est en vie, il le est cœur. En vie. Et en premier kill en plus. C'est bien le A qui est choisi encore une fois. Très peu de temps sur la fin, du coup il peut profiter d'une préélimination accompagnée par Sider qui sera tapé. Mais la tour elle va venir l'accompagner pour le suppléer dans cette situation. Sixième joueur. On décide de pressionner dans la zone où il n'est pas. Et du coup on se fait surprendre à 10 secondes de la fin. Il faut le faire tomber absolument. Mais Hype qui arrive à tenir tête à ses adversaires. Ils sont solides ces joueurs. Alliance tout de même et à 3 secondes de la fin, plus aucun espoir pour Vitality. Encore une fois, le timer. En game, le coach PM et Zeich ont pu communiquer. Alors c'est du stuff qui va essayer de les en empêcher de passer. Oh, le challenge ici, le hype qui fonctionne sur Vac essayant de s'avancer. Et Crossflash qui est envoyé quelques dégâts, mais derrière on décide d'enclencher sur le site B. On essaye de surprendre côté Vitality et on repart vers ce B. Ouais, on a vu tout de suite que ça repartait en B. Sider qui en profite pour prendre de l'espace. Ici la ligne est très forte, il est repéré. Mais juste avant le couteau, il va pouvoir prendre un kill. Shadow essaye à son tour de le décaler encore une fois. Très très peu de temps restant. L'infiltration de la part de Kada, il l'a pas vu dans son dos. Il va se faire attraper par le cœur. Mesdames et messieurs, Shadow est le dernier espoir. Côté Vitality, il reste 13 secondes pour se précipiter. Mais il se fera. Si là, attention, on a le drone check. Ouais, c'est bien joué. Est-ce que le drone check? On n'a pas le check. Pourtant, ils avaient sound. Du coup ça fait du 1-1. Et du coup ça fait du 1-1, ça remet et là. Et ça rotate direct. Ouais, bon, ça va être à Zik de faire la différence ici. Il a aucun stuff, le cœur qui est complètement blanc, il a mis du temps avant de tomber mais il a pas touché beaucoup non plus. Zik qui essaie de jouer close ici, attention il y a des joueurs qui vont lui tourner autour, il sait que ça arrive des deux côtés de la pyramide. Sender qui est dans le dos qui est extrêmement bien, Zik qui prend un premier kill, Zik qui temporise énormément et qui fait un petit peu douter les Vitality ici. On arrive à enclencher le spike, pour l'instant c'est non, finalement Brahms va pouvoir le faire, il va se prendre une électroflèche de la part du capitaine adverse et il va prendre énormément de dégâts. Maintenant c'est Eb qui va pouvoir peut-être prendre le kill. Sender qui arrive sur le côté, Sender qui est extrêmement bien positionné, il ne tire pas. Il ne se montre pas, il va pouvoir essayer de prendre ce kill, il se loupe un petit peu. Sender qui se loupe complètement, qui va finalement prendre le kill et c'est fait. Les Vitality remporteront le premier round. La porte qui va être ouverte maintenant, on a flashé, on va sortir, on est sorti, on a été cancel tout de suite par Fi. Faut être solide hein, du côté du capitaine Fi ici. Zik qui prend un kill très important. Situation de 3v4 avec le spike qui est tombé. On est low HP1, hein. On est silence également pour certains joueurs qui ont été repérés par le stuff du caillou. On utilise la cage pour avancer côté de Hype. Oh là, on a failli voir les pieds de Kada ici. On sait que Vac est positionné là et Vac qui va réussir à prendre un kill très important. 3v3, la situation n'est pas terminée pour les Vitality même s'ils sont loin en termes de points de vie. Oh, l'électroplus qui passe pas loin, qui force le décal. Cedar qui prend le kill maintenant. Brahms qui est sur le point avec son teammate. Il faut réussir à faire deux kills. Et le spike est en sa possession, la possession de la Jett qui va pouvoir enclencher potentiellement. Non, ils peuvent bouger l'alliance. Ils attendent la. Ouais, ils le posent. Il y a plus de mur. Il a pris l'info sur un. Oh, what the fuck. Accélérer sur la pose, pas forcément pour tuer le poseur, mais parce qu'ils étaient en 3v1. Oh, attention par contre à Aïe qui prend un premier kill sur Kada. Mec, ça c'est GG aux ops. Hein. Ça on peut le dire quand même. Ouais, c'est vrai. Parce que c'était une chance sur 9, hein. Une chance sur 10. Non, pas 10, c'était que 3. Oh. Bien joué ça. Le deuxième, Zik qui régale. Attention, le contre écho potentiellement de Alliance qui se remettrait bien. On se fait tout à fait. Mais elle prend quand même la ligne. Attention. Il va attendre que ça back. Hein. Oh, on l'a pas vu mais ça devait être magnifique. Par contre, le cœur qui prend le revenge ici avec une tête. Pas de chance les ops. Les ops c'est un petit peu en galère sur la ligne là. Attention Sender. C'est pas leur bien joué de la part de Sender qui rétablit une situation en 2v2. On est tellement low HP, on va le faire. Il est fake, mais il a plante bien sûr. Non, si près. Ouais, il est obligé. OK, il a réussi à planter. Donc c'est déjà une belle écho. Jean. Oh. Et voilà, les Alliances qui réussissent à mettre le contre-break. Ah non, eux qui avaient. Oui, c'est ça. En écho, mais y a pas de soucis, mais pour le coup, les Vitality qui finalement vont repartir sur le B. C'était pas une mauvaise idée de partir sur le A et d'oser aller à travers cet ultimate. On s'attendait tellement pas à ce qu'ils fassent ça qu'on était peu nombreux sur mais le là, ça y est. Là, ça y est, ça a déclenché en B, mesdames et messieurs. Alors que Hype est au centre du site en train d'essayer de stopper le rush Vitality. Il a réussi pour l'instant, même Sender a réussi à faire la différence sur le cœur. Hype est juste devant sur le tube, il y a personne sur le mid, il va pouvoir laisser les autres rentrer. Hype qui sur Kada, le troisième sur le piège. Quatrième kill, mais il a fait un très bon travail quand même, il faut le dire. Il a été quasiment seul sur son site, il a réussi à éliminer 3 personnes. Et là, le petit shoulder pick. On a une info sur un. Ici. Il n'en reste plus qu'un de toute façon. On doit avoir l'info sur le deuxième grâce au Cypher qui aurait pu lui donner l'info. Stage déclenché. Bien esquivé. C'est bien retourné. Oh, 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 oh.
Oh là là. Ah c'est le double turn hein. Et c'est pour ça que pour l'instant on a pas réussi à snowball sur l'économie. Mais tranquille. Oh là, ok, on a réussi à prendre ce kill, dommage. Enfin on avait un petit peu whiff côté jet mais Sender va tranquillement. Double cage plus piège. La reveal peut-être de Sova, non il a pas envoyé. Il a préféré pas se montrer pour bait. C'est bien joué. Comme ça il est contact, mais malheureusement c'est pas pour le contact, c'est pour la porte qu'on a voulu sortir. Ce sniper qui est maintenant positionné, il va pouvoir. Non, il a raté le timing. Oh il est mort. Il y a une trop flèche. Oh il a un HP 13, c'est pas beaucoup. Mais il arrive à survivre. Oh il fait double piège. Il a failli avoir Jet sans savoir qu'elle était là. Oh bien joué Azik qui empêche la pose de ce spike directement en situation de 2v4, mais ils l'ont déjà fait avec Shadow qui fait Shadow. Oh le triple kill de Shadow, Kadaki se fait récupérer. Situation de 2v1 désormais, Shadow qui était on fire, il a encore 83 PV, il a encore une flèche, il est vulnérable, attention il prend des dégâts, il malheureusement va pas. Il m'a pas rushé tu vois. Une balle, pour une balle évidemment, il peut aller chercher son ace, les Vitality qui l'emporterait là-dessus. Oh Shadow. Le ace. Ça du mal très à... bien même. 1, 2, 3, soleil. Quoi? Il l'a tué. Quoi? Et puis il a finalement décalé. 1, 2, 3, soleil. Deuxième kill de la part de Lucker. Très bien joué évidemment. Attention au petit error fire, mais ça a été très bien joué de la part de Lucker. Il faut s'attendre à ce que ce soit passé. Hype qui va être vu, il faut qu'il comprenne que ça a avancé, je pense qu'il le sait. Mais il a pris le décalé. Il a pris le petit point pour Sender. Oh non, dommage. Il a whiff ici. Il a pris la première électroflèche, mais il n'y en a pas une deuxième visiblement, donc il va pas décaler. Hype, il est pas naïf évidemment, il va pas se faire avoir comme ça. Il sait qu'on l'attend au tournant. Il est obligé de voler. Oh, et il se fait avoir par Zeke. Ah c'est vachement bien ce qu'a fait Alliance sur ce round, faut être honnête là. Ouais. Hype il a pas été green et il décale au teammate car il n'a pas de moyen de jouer avec autre chose. Attention on stun le joueur ici et on va le prendre en sandwich Sader qui était trop avancé et qui va se faire punir. Ce qui va être très important c'est ici, Bram s'il fait le kill sur le capitaine adverse, eh bien ça peut tout changer. Et c'est fait, il va pouvoir du coup être dans le dos et devant, ça va être compliqué pour Zeke qui sait qu'il y a du monde derrière lui. Zeke qui prend la ligne, Zeke qui va faire le kill mais qui va se faire revenge instantanément. Sender qui prend la meilleure et Sender qui enchaîne et qui a bien avancé le double kill. Ah, c'est compliqué. Joueur de Cypher. C'est compliqué parce que là il s'est passé beaucoup de choses en même temps effectivement. Dire. Ouais. Qui va pas le save de toute façon ils ont les coups. Oh il avait vu l'arme ouais. Bah il a un petit kunai dans la tête. Mais là la sky là. Oh il décide de le faire et c'est bien joué. Il a décidé de tirer tout de suite alors que honnêtement il aurait pu prendre peut-être plus d'infos. Mais c'est déjà deux kills, c'est déjà énorme. C'est incroyable, c'est très avec très ses kunai. C'était un très bon lurk, en tout cas ça va être très très payant effectivement. Oh et le troisième en faisant le petit dash sur cette enfin le courant ascendant sur le elbow du B. Le joueur de la part de Tyros ici, il ne reste plus qu'un seul joueur qui se fait travers en plus de sa Brahms qui a 4 HP qui va quand même réussir à utiliser la vie de Hype. Eh bah dis donc. Mais Lucker quoi d'un kill sur... Le rentrer alors que Cave s'est passé aussi. On a fait qu'il a quand même réussi à se passer sur le site. En défense, bah, Tyros, mais c'est compliqué parce que ça arrive des deux côtés. Oh il a réussi à en faire un quand même sur Vac. Mais de l'autre côté on va revenge. Brahms et Kada qui ont réussi à faire les deux kills importants. Ouais et en plus de ça on utilise les deux ultis justement. Il fallait qu'on enclenche le spike, il fallait qu'on gagne un petit peu et bien de duel pour pouvoir utiliser le teammate de Cypher. En plus ça c'est le dernier round mais voilà il fallait setup pour le faire. Et le kill qui va être récupéré de la part de Brahms ici. Les Vitality qui sont en passe de mener potentiellement. Même si Hype fait un kill et va faire tomber cette planète point ici. Dommage. Le kill aurait permis de rétablir la situation en 2v2. On décide de descendre oméga agressif. On décide de dash mais Shadow qui va finalement réussir à faire le kill. Et le gars va se louper. Ah il doit s'en vouloir. Ça me plaît. Bien sûr. Moi je suis très content. Non honnêtement moi c'est pareil hein. Moi je suis un peu français qui perd ça c'est bien. Ça fait toujours bien plaisir. Pour nous. C'est bien ça pour fait nous. Exactement. C'est bien pour tout le monde. Il a pas été il est passé en dessous, il va pas réussir à dash. Mais en tout cas il va faire quand même un kill important. Les Vitality qui sont quand même en infériorité numérique jusqu'à ce que Brahms rééquilibre la balance en tuant son vis-à-vis ici. Sender qui a l'information sur l'un des deux joueurs. On décide de sauter, on est dans la cage, il y a le drone de Shadow qui va permettre de eh bien piquer Hype qui sera du coup visible à travers de sa propre cage et qui va se faire récupérer. On tente de décaler côté Brahms. Il faut faire ce kill sur le capitaine des Vitality. Ils vont le dash. Ils vont faire le kill, il va pas réussir à faire la différence. Attention, parce que Pro Never Fake, et c'est diffuse, et c'est fait, les Vitality qui diffuse le spot. Ils sont drone pour vérifier, ça passe au niveau du mid, mais tout le monde est allé main B pour l'instant, et on va refaire, c'est ça, ouais. Donc du coup, là, faut vraiment essayer de faire le kill en gardant le plus d'armes possible pour le prochain round. Oh, allez hop. Oh la vache. Prends ça dans ta gueule. Petit coup de shérif, il a fallu 3 balles quand même. 2v2. Mais beaucoup d'armes qui tombent, hein, des deux côtés. Ouais. Ouais ça va être compliqué en termes d'économie. Oh, le timing. Ouais le décalé était pas mauvais ici. Il tente de diffuser quand même. Il a du stuff, il a du stuff. Est-ce que ça passe dessus? Ouais ça passe dessus, bien joué. Est-ce qu'il a pris la moitié? De toute façon ça changera rien, il aura pas le temps. Il a plus le temps. C'est terminé. Ce sera un round gagné avec... Il a marche arrière dans la... Allez hop, la petite flèche de... Il en a spot que 2, donc ça peut être pas mal. Alors qu'en fait il y en a 4. Il y en a 28. Oh Kada qui va être du... Kada... Ça rend quand même. Ou alors attention, ça peut faire mal. Ça peut faire mal là par contre. Oh Shadow. Au travers, bah il avait l'information grâce grâce à un, soit un piège, soit au drone. Mais en tout cas, il a mis un travers de type qualitatif ici en one tap. La flèche, je crois. C'est possible. La reco.
Hype qui avance au niveau du mid. En Sender qui prend le coin P derrière la porte. Le duel de vis-à-vis. Naïf. Et du coup on a l'information sur deux joueurs qui courent sur le B. Il pensait avoir qu'il y a deux joueurs qui arrivent dans le bac et il y a que Sender. Sender, son seul taf, attendre, essayer de faire du 1 pour 1. Il y en a deux qui sont passés grâce à un timing. Sender il est trop bien en effet. Hein. Il s'est mis trop bien le cochon. Oh, il est invisible. Oh, il va l'éclater. Oh, attends, j'espère qu'il va l'avoir. Il mérite. Non, il méritait. Et du coup, ça relance complètement le round. Hein. Ici, on va tenter de flasher totalement à l'intérieur. Mais là, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller là-dedans. Tu tires au hasard. Ouais, bah ouais, normal. Ça touche un peu, hein. Ouais, je comprends, mais bon. Après, attention, il reste le Sova, effectivement. Oh, ils sont quasiment contact. Incroyable. La réussite exceptionnelle de Mac qui va faire le doublé. Oh là. Du caillou qui va partir. Et ça va être à Vague de faire la différence maintenant. L'ultimate qui silence les joueurs en boucle, bien évidemment, on peut pas flash. Oh, ça dashine ici, Barnes qui n'arrivera pas à prendre le kill mais qui va rester vivant. Qui plus est, le cœur qui prend le premier kill maintenant, ça se joue close. Barnes qui réussit à faire un kill. Barnes qui réussit à faire un doublé. Monsieur le capitaine. Et c'est une situation de 3v3 des avec 30 secondes restantes maintenant. On pense que Brams est low HP, il va prendre la flèche électrique mais il est encore à 61 PV. Il tient debout. Oh, bien joué de la part de Hype qui s'est introduit au niveau de ce mid et qui surprend Brams maintenant qui va avoir un bon timing et finalement Sider qui turn correctement. Dommage, c'est-à-dire qu'il a pourtant, mais après il en a déjà fait deux, il était au spectre, monsieur le capitaine quand même. Bien joué pour Alliance qui arrive. Les gens fonctionnent un petit peu pareil, hein. Oui. Mais je veux dire, il faut être précis en termes de vocal et pas spammer, donner des bonnes infos. Le cœur qui fait une très très bonne opération. C'est bien ça pour le cœur. Kill sur Brams instantané dans le tube évidemment, comme souvent. Et là, au-delà du kill, c'est vraiment la confiance du joueur qui est importante. Attention, Vak est extrêmement bien placé, qui va faire un double kill gratos. Ça, c'est bon, la petite brochette. Petite brochette. Oh, Sik et Sader, ils doivent s'en vouloir. C'est bien aligné. Et du coup, le round a turn comme ça avec 3 kills d'un coup d'un seul. On a quand même deux joueurs qui sont posés sur le A. Est-ce qu'on fait le kill sur Shadow maintenant? On voit l'ultimate qui est envoyé. Il va falloir détruire ce petit stuff. On utilise beaucoup de stuff. Va qui va tomber en il premier. Il fermer la porte. Le drone qui n'a pas été détruire. Mais tu te dis que s'il y en a un qui cover ici, c'est la sauce quoi. Donc du coup, tu n'oses pas trop et ça va permettre de gagner un petit peu de temps. Oh là là, le cœur au triplé. Le cœur on fire, mesdames et messieurs. Shadow qui va utiliser sa recoin maintenant sur le BP. Recoin qui va être bien tanké. Firoth qui prend le kill. Et c'est incroyable ce qui est en train de se passer. L'Alliance qui gagne un round qui était totalement perdu grâce à le cœur qui a été on point. C'est pas perdu. Bah voilà, il est perdu maintenant. Et bah maintenant il est perdu. Ils étaient en 4v2 quand même, hein. Oh là là, tu leur as porté la sauce. Est-ce qu'il va l'avoir? Difficile. Ouais, ça me fume, c'est d'imaginer Alliance qui fait guys, there is guys on the desk, but no, they're gonna wait, we're gonna go to overtime. Allez, un round très important évidemment, vu que Vitality va pouvoir full buy ou presse. Bon, là, Vitality, pas tous les rounds sont importants, je te cache pas. Bien sûr. Mais le problème, c'est surtout Alliance. Enfin, là, ils sont en win streak, donc c'est bien, mais le problème, c'est qu'ils doivent acheter à tous les rounds. Donc, c'est des rounds vraiment. Ça a déclenché et il n'y a personne sur site, on va jouer retake. Oh, bien joué, l'information qui va être donnée. Attention, 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 Benaïf. Deux kills pour Kada. Il va peut-être signer la victoire de son équipe ici sur cette map. En tout cas, ça le met extrêmement bien. Firoz qui sait qu'ils sont là et il se fait avoir de l'autre côté. Ils ont l'heure dans tous les sens. Les Vitality qui sont arrivés dans le dos, le cœur maintenant pour un premier kill sur Kada. Brams window. Il a attendu, non, le cœur, il recharge, idiot. C'est bon. Monsieur le capitaine qui n'a pas réussi. On a qu'une seule personne sur site, il s'agit de Caillou. C'est chaud. C'est fini, les Vitality qui l'ont pas. Allez, on va voir justement, il y a du monde. Alors, il y a personne. Il était en A peut-être. Allez hop, encore un kill mid. Pas dupe sur la question, par contre, est-ce qu'on va checker à gauche? Il a réussi à passer. Hype qui va réussir à faire le bon travers. Vous aussi avoir des kills gratuits sur vos adversaires. N'hésitez pas à regarder ce petit guide. N'hésitez pas, abonnez-vous, mesdames et messieurs. Et ça rentre sur le site. Allez, on va essayer de passer. Déjà deux éliminations de la part d'Alliance, c'est Kada. Peut-être ici pour le cross. Attends, il cross sur un parfait timing, mais derrière Sider. Au cas où, cela dit, on est en train de suivre. Et il est où le kill là? Il est du côté de Vitality, laisser cette Reyna s'en occuper, mais tout de suite on a l'information avec la tourelle et Sider. Sider arrive au parfait moment pour récupérer Vak. Et on est déjà en place. Pour ces alliances, on est 5 contre 3, on va essayer de planter derrière cette caisse, on va subir quelques travers ici. Mais attention, Sider, encore une fois, Sider, toujours lui, avec sa Reyna, 4 éliminations, il ne reste plus que Brams au niveau du bonhomme de neige. Mais attention, 1, 2, 3, soleil, il est en place pour le ace. Ouais, il est plus là. Et il l'a. Il lui laisse. C'est créer de l'activité, mais attention à ne pas perdre la vie. Salalo. Et c'est ballot ici pour Hype, est-ce qu'on peut continuer? Et ici le cœur qui va prendre l'élimination, Sik qui enchaîne. Et derrière, c'est les alliances. Les alliances fonctionnent, mais on va sortir surtout le shorty. Le tournoi passe est envoyé, mais ça y est, on a pu s'extraire de cette situation. Par contre, Sider sur la hauteur, lors de lenteur, et on ne voit rien à travers l'écran toxique. Mais Fi, ici, va récupérer Vak alors qu'il était proche du mid. Et encore une fois, déclenchement de cette défense. Maintenant que la bombe est plantée, avec ce spike posé, on a
le déclenchement de cette défense qui avance au fur et à mesure, qui reprend de l'espace, même si là on est plus en retard côté Vitality, mais on arrive à faire quelques kills. Rams qui fait la dip sur Sider avec ce petit one Sherry qui fait la différence sur celui qui diffuse, et c'est peut-être qu'il va gagner le round pour Vitality. Attention, on refait un fight et c'est fait. Donc ici c'était moins pertinent. Oh, et pourtant il n'avait pas le perspective à l'entrée. Le petit parallèle de côté là. Ouais, c'est terrible pour gauche, Sider. Gauche, et bah non. Et ah, par contre il va prendre l'élimination sur Sender, c'est pas si deux personnes qui vont prendre avec un wall, pas évident. Comme le flash into ulti. Oh, hype. Hype pour l'instant, il est invisible, il n'est absolument pas escompté. Oh, pas de recours. Hype, il va tomber directement, c'est checké par Vac. Oh, et Bram, si, dans son ulti, va récupérer Fi. Zik doit essayer de passer. Okay. Quoi ? Incroyable, Zik ! Mais quoi, Zik ? Qui leur marche sur la tête ! Oh, et qui mais fait quoi le triple sur le site, c'est incroyable ! Incroyable round de Zik ! Oh là 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 fait... Il est trop bien, il faut pas qu'il rate. Oh, il a pas raté ! Ah, la com, attention, Sider. C'est bon, il a eu l'info. Mais il va quand même avancer, il fait. Et il rate ça. Très très bonne invade de la part de Vitality grâce au mid, encore une fois. Un mid très joué, très intelligent. Une pause de spike pour Vitality, mesdames et messieurs, qui est un magnifique one encore de la part de monsieur le capitaine, s'il vous plaît. Le cœur qui fait le kill sur Brahms, mais là ça va probablement être un save. Est-ce qu'il décide d'y aller avec l'ulti de Killjoy peut-être? Non, de Vega, vont-ils le tenter? Quand même pas. Est-ce qu'il le tente? On a lâché la wall, ils vont le tenter. Ils vont le tenter. Il faut détruire le wall, il faut détruire le wall. On est d'accord. Voilà, on détruit le wall et on détruit le confinement. C'est logique, très risqué de mettre un confinement ici. Je suis assez étonné. Ouais, c'est assez étrange là de la part d'Alliance. Par contre, on reprend un peu d'espace. Mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir défuser? J'en ai pas l'impression. On va venir sur la tyrolienne ici. On va surprendre le sauveur. Et derrière, il va se faire coucher par Zender. Attention, le cœur qui prend bien sur son back, mais il va être récupéré par cette jet cadavre. On vous le disait, hein, avec la tourelle de Killjoy, certes, mais qui n'est pas un nul. Le travers qui va passer. Le travers, c'est horrible. Oh, il prend ce qu'il vient sauver. Je sais pas comment il s'en sort. Franchement, là, c'est vraiment atroce ce qui se passe. Mais ils vont pouvoir avancer maintenant à peu près où ils veulent. On n'a pas réussi à avancer sur la longue B, cela dit, avec un Lecoeur qui est encore en place, qui a raté. Shadow qui a raté son kill et Fi qui arrive derrière justement pour détruire Vac. Donc l'invade du mid qui finalement n'aura pas été suivi. Il restait Sender, Kitchen. Oh, Lecoeur qui est, il est chaud. Hein. Ah bah là, Lecoeur est mort. Il va checker Lecoeur. Oh, le timing. Oh, le mauvais timing là pour Lecoeur. Et en décal de Kitchen, c'est assez bien joué de sa part. Même si nous on sait qu'il y a personne. Oh, ça arrive, on va se louper ici dans le duel. Oh, il est dans la merde. Parce que là, il était en surprise. Il est obligé de prendre la. Oh, il le tente quand même. Et là, il a son flash. Oh, il a pas eu son flash. C'est dommage ici. Deux éliminations réalisées par Vitality. On va pouvoir accélérer sur ce site. Ah, ici sur le Yad de Vac. On reste prudent quand même. Reste méthodique. On récupère l'orb. On a le temps de faire la rotation côté Alliance. Vous ne tuerez pas mes alliés. Et de faire la résurrection pour Sender. C'est bien senti, la part de Vitality, on revient à 5 contre 3 avec un zombie côté Alliance. Un timing à venir pour ces derniers. On va attendre patiemment, il reste 30 secondes, on attend surtout, on connaît ces frises durant les exécutions. Ça déclenche avec le Yad ici, on va déborder. Est-ce qu'on va checker au niveau d'Electrical? Oh, c'est la question. Flash de Reyna, l'ulti de Viper, Reyna qui va avancer. On le tire pas, c'était malin. Mais derrière on a été récupéré, c'est Kada qui a récupéré Zik qui fait la différence en étant Rafter sur le kill de Kada. On a réussi quand même à poser, situation 2v3. Allez Zik, tu nous refais une Spider-Man là. Attention, il faut pas se coller dans l'ulti. On va pouvoir soigner. J'ai déjà eu des problèmes tout à l'heure. Et en même temps, faut réussir à se cover. Bien senti. Hein. Situation très délicate. De soigner. Ça tire un peu au hasard. Oh oui, c'est bien joué de la part de Sender qui reste en place. Par l'élimination est derrière, Shadow va parfaitement défendre. C'est d'être activé, on a eu le petit bruit de tyrolienne. Par contre, on va tout de suite se faire coucher par Val. On peut plus jouer le A. On va probablement jouer sur le. Là, on va jouer retake sur le petit Killjoy. Donc, on va juste rien faire et attendre. Faut juste pas mourir par contre. Là, en défense, faut pas mourir. Faut perdre personne en attendant que les copains arrivent pour pouvoir retake avec l'ulti. Avec le confinement. On n'a pas d'ulti de Sova en face, donc ça va survivre tranquillement. Il y a même une électroflèche qui est partie, je crois. Donc, il y aura pas de destruction du confinement. Ça, c'est très bien. Kill très important de la part de Sider qui met la pression dans la pour ce deuxième. Allez, petit confinement peut-être. Oh, pas de confinement, ok. C'est excellent comment ils avaient planté, ils ont mis une orbe barrière, on ne peut donc pas entrer de l'autre côté. Et là on est forcé d'être dans la ligne éventuelle d'un des joueurs de la part de Vitality. Et on a ensuite cette line-up de la Viper, on récupère les éliminations, ça part de part et d'autre. Il ne reste plus que Zik ici face à deux joueurs, mais est-ce qu'il va le faire? Il faut attendre décidément la morsure de la Viper. En fait il a mis un confinement hyper ballsy. Et c'est... Donc ils sont c'est bon, vraiment, ils vont jouer en reprise sur le confinement. C'est ultra bien joué de la part de Vitality. Par contre là on va encore jouer où? Au mid évidemment, puisque c'est incroyable en termes d'ouverture de map, et on a eu un kill de chaque côté. Oh, Alliance ici. Trois joueurs qui viennent de trois duels du serveur. Trois duels ratés instantanément. Oh là 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 là, c'est terrible. Il ne reste plus que ce Sova ici, et il va être récupéré par Hype. On like, RT, on fave.
Mais par contre, on a Brahms qui va prendre l'élimination sans Sider. C'est bien joué, monsieur le capitaine. Le capitaine ici prend une deuxième élimination, le trail est sympathique. Sauf qu'en fait ils sont plusieurs. Et oui, et c'était ça le joli gamble. Et Vac Sinter en fait. Oh non, c'est dommage. Et regarde, il y a du monde déjà pour le récupérer ici en haut, ouais, à la sortie de cette kitchen. Et là derrière au bonhomme de neige. Et en plus on a les cris qui confirment qu'elle, par contre on pourrait décaler à bon, deux, là, de l'autre côté. Bon, de l'autre côté ça a planté, donc ça a attendu les mates pour retake. C'est bien joué. On ne presse pas. On ne veut pas perdre des gens de la part de Vita. Sinter qui a réussi à faire le premier kill. Sinter qui est arrivé immédiatement sur le cœur. Bon attends, il décide d'aller au niveau de ce vide. Shadow par contre à la réception. Oh, aller le chercher, c'est bien senti. De la part d'Alliance qui décide de repartir. Attends, mais là, en dehors du site. Ah, c'est planté en haut. Pour éviter de se faire surprendre par Vitality. C'est planté en haut ou en bas? C'est planté en... Parce que là, c'est en bas, c'est en bas, ils doivent hold. Hein. Oh, ça c'est super bien joué. Non, il a oui, c'est dommage. Hype. Oh, il va souper ici. Sur la corde. Cada peut-être. Non, putain, il bien va joué. Elle s'est mise yellow, semi one way. Il va voir les pieds de Sider. Brahms ici, qui régale. Et on a Jet qui arrive. On a Jet qui arrive pour prendre. Il va se recoucher. Attends, Jet qui va décale avec Opérator, mais il reste plus personne longue B, ça a décale sur le A, on a cette Reyna qui est déjà en place, on a Sova qui est... On va se mettre en place du côté de l'Alliance, on sait qu'ils ont eu l'information avec les drones, on a pas fait de reconnaissance qui était envoyée, de réussir à trouver du monde avec un ping, mais non ça ne va pas fonctionner, on va tout de suite prendre l'espace au niveau des Cricoles. Enfin, ici pour la décale avec le Yad, c'est bien senti, on va prendre première élimination alors qu'on était trappe dans l'orbe de lenteur. Ouais. Les Vitality sont en forme ici, un 3 contre 2, on va essayer de fake plant ici, forcer la décale de vague, oh, et un stop de la part de la Killjam. Catastrophique. Donc il faut absolument qu'elle... Oh, ça c'est un très très bon kill. Oh, il va l'avoir. Il va l'avoir. Ah, oh, le timing, c'est horrible. C'est horrible. Hop. Oh, il se loupe. On le contrôle de toute la map. Par contre, et il faut pas qu'il gâche ça. Il faut pas qu'il gâche ça. Il peut surprendre là. Par ce positionnement avancé, elle est invisible pour l'instant pour les Vitality. Ah, ils ont rotate. On s'attend pas à ce qu'il y ait du monde. Ils ont rotate trop vite, Vitality est trop bien. Oh, Sender qui prend l'élimination. Oh, Sender qui va se coucher. Sender, encore une fois. Il est trop fort. Il a réussi à go. Il avait pas, il n'était pas sound sur la kitchen. Il savait pas qu'il était déjà là. Et au moment où sa plante décale et bim bam sur le cover. Non, franchement, Sender, trop trop bien joué. Vitality a réussi. Oh, c'est incroyable. Oh là là. Ils avaient toute la map. Oh. Allez, faut tomber, faire tomber des armes. C'est bien ça. Ici de la part de Phil, mais derrière Sender encore une fois. Revenir au contact. Oh, il est obligé, il est obligé. Ça va être trop fort. Oh, ça tourne autour. Oh, c'est terrible. Ok. Oh, bon, Brahms. Voilà, ils ont l'info maintenant. Mais vous faites un travail incroyable. Monsieur le capitaine, hein, vous faites un travail incroyable. Oh, capitaine, mon capitaine, qu'est-ce que vous nous faites là, ici? Non, monsieur le capitaine, là, vous avez stop rush 5 personnes. Oh, non. Full blind. Dommage. Attends, c'est pas encore terminé. Le cœur qui s'avance ici. Il le sait, il le sait. Il a mis le bout de la cape. Allez, vas-y, décale. Allez, décale, c'est fait. Mais Sender ici va récupérer l'élimination. Il n'y a plus de temps, il faut absolument planter. Allez, faut planter. Faut planter. Sender qui prend une autre élimination ici. Il va essayer de déplacer. Oh, Hype qui l'a récupéré. Oh, Sender, pourquoi? Pour les deux joueurs. On va entrer dans le team. Est-ce qu'il va voir? Tout de suite, on va l'envoyer l'averse. On va fake diffuse. Et Kada, Kada voit. Trop marrant, on l'a vu sur les joueurs avant. On a vu les joueurs. Alors oui, attention, mais forcément je suis pour public. Oh, Kada, let's go. Kada qui prend la première. Alors que là, elle a fait de reconnaissance, l'écran toxique, à la fin de l'écran toxique, peut-être va coller, ça va toucher. Le cœur. Oh, le réflexe de en même temps là, s'il faisait skill. Hein. Oui, voilà. Là, si le cœur, tu faisais explique, mon gars, je lui faisais un bisou, je partais du casting desk. Là, c'était débranche la clé USB là. Ah ouais, c'est clair. Bon, par contre, ici, Kada qui récupère Zik. Oh là là, les Vitality. Là, les Alliances. Il, reste il faut essayer de trouver une solution, mais à 2 contre 5. Il reste 2 kills à faire pour être très très bien au niveau de l'équipe. Et il reste surtout 27 secondes. Hein. Ça va être compliqué. Shadow qui avance au niveau de ce mid et qui récupère Hype. Il ne reste plus que Fifi, le capitaine de ces Alliances qui prend 2 éliminations. Non, il a pas le temps, il a pas le temps. Est-ce qu'il a le temps de planter? Ah, il avait le temps, mais nous on le sait, mais lui non. Attends. Ah, il est obligé de tenter. Il a le temps. Et du coup, il se fait rusher. C'est trop compliqué. C'est normal. Non, 4 en vrai. Et non, même plus, il y a les overtime sinon. Eh oui. Ah ouais, donc... Bon, par contre, là, on a quelques petits trucs assez intéressants là du côté d'Alliance. Alors, en termes d'économie, c'est pas au beau fixe, c'est pas Byzance, on a Bulldog, on a Spectre, mais on a quelques ultimes à faire valeur. Fureur du chasseur, on a... Ok, il va y avoir beaucoup de monde. La balle d'opérateur, le cœur, ça ne va pas passer, le cœur ici qui va prendre l'espace, mais Vac, Vac va le coucher, Vac, une deuxième élimination. Le fureur du chasseur est proc, Fi prend une élimination sur cette Reyna. Mais attends, c'est pas terminé ici, on prend l'espace. Et Sender qui est passé sur le côté, il a pris l'élimination sur Hype. On est en 3 contre 2, c'est pas encore terminé. Est-ce qu'on peut le faire? Ici c'est un Reyna qui se replace. C'est Sender qui va s'accoucher, Shadow qui est avancé, les tricots. Et c'est fait.